Et salut YouTube, comment vas-tu? Je ne sais pas si tu te rappelles, c'est un petit jeu, ça s'appelle Dark Souls, et c'était un petit peu frustrant. Principalement parce qu'on était mort une quarantaine de fois au dernier épisode, et qu'on est reparti pour la même chose. Alors du coup, nous y voilà. On était à Orlando, sur les hauteurs, et c'est Fiutu Corniche qui nous avait posé des problèmes, notamment à cause des gargouilles et... des archers, mais notre plus gros ennemi était la gravité. Bonjour Jerrican, comment vas-tu? Fais coucou aux gens. Tu ne peux pas. La gravité, bien sûr, hein, cette ennemi farouche qui nous a tués tant de fois. Alors du coup, on n'apprécie pas trop. Alors, déjà, on va reprendre les bonnes habitudes. Je suis sûr que tu as complètement oublié ce passage après les 40 fois où je suis mort précédemment en faisant exactement les mêmes actions. Mais c'est bien, tu es patient. Beaucoup plus que moi. Si vous entendez des bruits bizarres, c'est que le chat a décidé de faire frotte-frotte sur le micro. Ce n'est pas ça, là. Oui, si. Tu pouvais éviter de me faire tomber d'une passerelle par accident, je t'en serais fort gré. J'en serais fort aise. Bon, allez, c'est reparti. Concentration, on se fait les gros. C'est raté. On peut passer entre leurs jambes, c'est pas mal comme plan. Non, aïe, oui, ça pique. En plus, t'es bientôt mort. Je proteste, il n'était pas protégé. Allez, allez, allez. Longué, mais on se les fait. Alors, le second. Timing était short. Il s'est passé. Non, par vilain gros monsieur. Il me fait tomber un truc. Un bouclier géant. Bon. Si on se concentrait un peu, allez. On va dire que c'était pour rire pour l'instant. C'était pour de fou. On a fait pire. On a fait beaucoup mieux. Et on a fait pire. Alors les gargouilles électriques. En voilà une. J'ai pas vu venir ça.
On est encore une fois un peu short en vie, hein. Il va falloir faire mieux que ça, monsieur, hein. C'est pas possible, là. Alors, on va tenter la technique de la gruge. Tu te... Mais vous calmez, oui. Non, mais depuis où vous faites ça? Oh là là là. Pas terrible, hein, ce passage. C'est pas grave, c'est pour se remettre en jambes. On va dire que c'était mieux que rien quand même. Ah, on est mort là-haut. Si on récupère nos âmes, c'est pas un passage perdu. C'est un gros si quand même, je suis d'accord. Ouais, mais surtout si on fait ça. Et bien c'était 72. Bon, on va éviter de changer de capture de jeu, c'est une mauvaise idée. 72e mort, qu'est-ce qu'on se hâte? Cet épisode n'est pas sponsorisé par Brescola. Peut-être éventuellement par l'autre boisson préférée des Bretons, mais bon. Cela de nous, regarde pas. Je pense que c'est le passage qui nous donnait le plus de fil à retordre pour l'instant. En tout cas, il me semble. Je sais pas combien de fois on est mort sur cet endroit, mais ça commence à faire beaucoup. Toucher une baronne de choc, c'est pas trop grave. Allez, le gros monsieur. En avant. Non, alors non, avec ton copain en même temps, c'est même pas la peine. Ouais, t'as une sacrée allonge, quand même. Oh, presque. Ivre, il oublie d'esquiver.
Bien, 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 bien. Eh merde. Voilà qu'il était ni souhaité ni souhaitable. Bah oui, bien sûr. Ridicule. Oh le... Eh ben, je pense que cet épisode, on n'est pas parti. J'espérais qu'il y avait un chemin alternatif, mais je pense qu'on est obligé de passer par là. Et ça me gave. Alors bien sûr, si j'étais une espèce de PGM de Dark Souls, je suis sûr que ce passage le ferait l'étau dans le nez, pour ne pas dire ailleurs. Mais comme vous avez pu vous en rendre compte, je ne suis pas trop un PGM de Dark Souls. S'il y a deux gros 6 mètres, ça va pas le faire du tout. Je crois qu'on va mourir de plus en plus tôt. Reprenez vos places, c'est une très bonne idée. Pas possible d'avoir une allonge pareille. C'est raté. Je voulais lui faire passer entre les jambes et c'est raté. Je détiens le pouvoir du crâne ancestral, etc., etc. Ça marche aussi. Pas très subtil, mais néanmoins efficace. De poser là. Putain, y a ton pote qui se vient.
beaucoup trop tôt. J'anticipe une attaque qui n'est pas venue. Là aussi. Décidément. Toi, ton collègue a décidé de pas venir. Si, bah oui, forcément, au bout d'un moment, il fallait bien qu'il vienne m'emmerder. C'est parti pour l'opération, ne pas se faire shooter comme un caca, deuxième. Et ne pas faire ça non plus. Bien sûr, bien sûr. Évidemment. Évidemment. Bon, pour être tout à fait honnête, ce passage, j'en ai plein le cul. Mais bon, on s'accroche. Mais j'ai pas assez d'allonge. Un peu de la moule là-dessus, mais bon. On va dire que ça compte. Putain, avec ces petits sauts de cabri là. Bon, ces messieurs ne sont pas sensibles au contre. Ou alors je l'ai mal aimé. Ce qui reste mon hypothèse numéro 1.
J'ai raté mon esquive. C'était bien la peine de me soigner avant. Bon, la bonne revoilà au mal engagé. Tout va bien. Sérieux. Pas si on arrivera à passer un jour. Pas le passage le plus intéressant du jeu, ni le plus gratifiant. Il est juste fucking relou. Est-ce qu'on peut changer pour avoir des trucs un peu plus sympas? Le Link Dev, on s'en fout. C'était un armor, elle pèse beaucoup trop lourd. Shadow Guard, c'est trop léger. Stone, c'est énormément lourd. Ça nous encombre chaque fois beaucoup trop. On n'est pas près de la mettre, cette armure. Du coup, il est peut-être en armure un petit peu trop légère pour un guerrier. Puis je suis peut-être un peu mauvais aussi, accessoirement. Ce qui reste mon hypothèse numéro 1. Quelque chose me dit que la seule chose qui va différencier cet épisode du précédent, c'est le compteur de mort. De ouf, ça compte pas comme un coup, ça.
Pour l'instant, ça se passe étonnamment bien. Pour l'instant. Si seulement t'avais pu reculer dans le vide. Ça se passe suspectement bien même, je dirais. Autant dire qu'on va crever prochainement. Tiens, on va remuer les amis ici. Why not, c'est original. Ah oui, non, c'est vrai, j'étais tué par une gargouille. Bateau. Il nous file même une astuce bonus. Une astuce bonus. J'arrive pas à le dire. Deux. Qu'est-ce qui se passe? C'est dommage qu'on va tomber juste après. Peut-être qu'il considère qu'on est vraiment trop nul. Évidemment. Nous sommes donc trop nuls. Pourquoi je me suis lancé sur un let's play sur Dark Souls? Quel con! Quel con! Bon, par contre, je vais pas essayer de me faire les deux archers, hein. Cette fois-ci, si je tue celui qui me bloque le passage, je me casse. Quitte à repasser plus tard. Ouais, bah oui, bien sûr. J'étais en pleine esquive, comment ça marche ça? Où ça me touche?
Calme-toi. Ah, mais reviens par là. Putain, les deux offres en même temps. Bon, du coup, avec tout ça, on est revenu quand même à 5 astuces, c'était bien la peine. Allez, amenez-vous. J'ai parfois l'impression que l'esquive elle sert pas à grand chose. Ou alors je suis vraiment très nul au timing. Je vais deviner lequel est le plus probable. Bon, déjà. Putain, c'est pas possible! Mais les premières fois, on est passé sans trop de problèmes. Hein. On a réussi à arriver au moins en contact. Fait, faut pas faire face au mur, parce que sinon, avec le recul complètement logique du fait qu'on se fasse tirer dans le dos, on meurt. Allez, on va prendre par l'autre côté du petit machin, peut-être que ça va changer quelque chose. Et on en arrive à la superstition. Hein.
Évidemment. D'esquiver. Boom. Bah oui. Vraiment qu'on s'entraîne au contre. Bien généreusement, le jeu nous redonne un astuce en disant, allez, t'es vraiment trop nul.
Mais le coup il dépassait depuis 8 ans. Alors par contre je crame du coup de du bouclier, ça marche quoi. Why not? Où ça me touche? Ce qui est bien, c'est que quand on me file des fioles en plus, je les utilise vraiment avec cette acuité, cette parcimonie. J'en tire vraiment le maximum. Merci. Nous sommes à 45 minutes d'épisode, nous n'avons toujours rien vu de nouveau. Je pense que c'est un bon ratio. Les amateurs de beaux jeux se régalent. Il y avait eu un objet. Je commence à avoir des hallucinations. Donc ce qui est bien, c'est qu'on a accumulé un max d'âmes grâce à nos morts répétitives, n'est-ce pas? Qu'on va pouvoir perdre en tombant comme une merde d'une corniche au prochain passage.
Ah oui, carrément. Je me suis déguisé en une de ces couilles et ça a surpris. Souvenez-vous les enfants, hein, s'il y a une épée géante qui passe entre vos jambes, ce n'est pas un vœu de testicule, c'est quelqu'un qui veut vous tuer. Je fais toujours avoir sur le troisième élément du combo. Bon allez, c'est bien pour aujourd'hui. Il y a 10 jours, vaut mieux pas insister. Du coup, YouTube, c'était un épisode qui t'a servi à rien. J'espère que tu t'es éclaté comme une bête. Des bisous, à la prochaine.